الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est la continuité des zikr lors de la salat. La fois dernière, nous avions parlé de l'invocation lors de l'inclinaison qui est Subhana Rabbi al-Azim. En effet, en se redressant de l'inclinaison, l'on dit Sami Allahu liman hamida. Allah a entendu celui qui l'a loué. Sami Allahu liman hamida. Et une fois redressé, nous disons Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarak. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه qui signifie ô Seigneur, à toi la louange, une louange abondante, pure et bénie. Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ensuite, nous allons à la prosternation, là où nous disons Subhana Rabbi al-A'la trois fois. Gloire à mon Seigneur le plus haut, Subhana Rabbi al-A'la. Et l'on dit entre les deux prosternations Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, trois fois, ô Seigneur, pardonne-moi. La première raka'at s'achève avec la deuxième prosternation. L'on se relève pour la deuxième raka'at que l'on accomplira de même façon, de la même manière que la première raka'at. Et après la deuxième prosternation de la deuxième raka'at, nous nous assurons pour le tashahhud, l'attestation des fois que nous allons réviser ensemble la fois prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.